Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Claire. Claire. Bonjour Claire, enchantée. Donnez-moi enchantée. Excusez-moi, donnez-moi votre date de naissance. Le 29-11-86. 29-11-86, ok. Vous appelez de quelle région? De Lorraine. Ok. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Je voudrais savoir si la relation que j'ai actuellement avec une personne va aboutir officiellement. D'accord. Donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. Olivier. Olivier. Il a quel âge, Olivier? Il a 22 ans. Il a 22 ans. Alors, vous allez vous concentrer sur vous et sur Olivier, oui. D'accord? Vous d'accord. allez vous imaginer tous les deux côte à côte. Une fois que vous êtes concentrée et que vous êtes prête, vous me dites stop, s'il vous plaît. Stop. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Le 7, le 11, le 5, le 22, le 20, le 21. Allez, ça part. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2. Vous êtes disputé dernièrement? 2, 3, 7, 8, 9, 10. Parce que moi, les premières remontées que j'ai, je vais vous expliquer tout de suite. J'ai l'impression que vous êtes dans une période un peu d'abattement intérieur, de doute important. Vous avez le moral qui monte et qui descend. Vous êtes vraiment en effet yo-yo en ce moment. Il y a des jours où ça va bien et des jours où vous vous levez, vous avez le blues. Hein. Et on sent que lui est plus ou moins en crise, hein. Une crise larvée, comme s'il ne... Vous devez ressentir qu'il n'est pas très, très, très à l'aise en ce moment. Je vous parle de l'instant présent, hein, des jours là, qui viennent de passer. Hein. Pas du fond de votre relation, mais on sent qu'il y a des énergies de malaise, de gêne entre vous qui vous font vous mettre dans une espèce d'inquiétude, d'angoisse même. Et lui, il sait pas trop, il a tendance un peu à esquiver. C'est quelqu'un d'assez lunatique, Olivier. Hein. Excessivement sensible, lunatique et qui fuit les problèmes. Enfin, c'est pas qu'il fuit les problèmes, parce qu'en fait, qui fuit les situations de gêne émotive. Sur l'avenir, par contre, votre relation continue. Moi, je suis dans un passage à vide, hein. Je suis dans une mise en distance. On a vraiment le sentiment que pour l'instant, vous êtes en train plus ou moins de vous écarter l'un de l'autre. Et en plus de ça, bizarrement, sans véritablement de bonnes raisons, comme si vous étiez juste en crise l'un et l'autre et que vous êtes plein de doutes, vous savez pas vraiment ce que vous réserve l'avenir et du coup vous vous comprenez moins bien et hop vous vous écartez. Vous le ressentez comme ça en ce moment? Ouais. Hein? Ouais. Donc ne vous inquiétez pas. Cette mise en distance, cet écartement, c'est juste ce besoin peut-être de vous retrouver chacun, de faire un peu le point intérieur, de pouvoir avancer, parce qu'on sent que vous avez l'un comme l'autre des projets de vie en fait. Hein? Vous avez envie. Et vous êtes amoureuse. Oui. Amoureuse. Hein? Lui, il y a des sentiments clairement, mais il est lunatique. Poids important. De la famille et du passé aussi. Donc c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de faire ses projets d'avenir au regard de ce qu'il a pu réussir ou louper dans le passé. On fait tout ça, mais lui, ça, c'est vraiment sa mesure. Hein. C'est-à-dire, j'ai déjà fait ça, je me suis plantée. Alors on a beau dire, oui, mais c'est pas la même histoire. Donc ça sera pas pareil. Hein. Et ben, il part quand même avec un mauvais pressentiment. Il a du mal à se détacher de ça. Vous le reconnaissez ? Un petit peu, ouais. Hein? Il aura tendance à plutôt changer de direction s'il se plante. Oui, ben tant mieux. Il va pas retenter, on va dire. Non, ben tant mieux, comme ça il évite les processus d'échec. Donc sur l'avenir, vous êtes en couple, vous allez solidifier de plus en plus cette histoire. Oui. On sent que lui et vous même, hein, les deux, vous avez des renouveaux professionnels qui arrivent, donc des changements professionnels à venir plutôt positifs, hein, qui sont en train de monter. Vous allez donc dans une direction de renforcement de votre couple. Hein. Vous allez vers une autre rencontre qui va venir un tout petit peu perturber tout ça. En plus de ça, vous allez vraiment vous poser la question de savoir si vous continuez ou pas. Et vous continuez quand même avec lui, malgré le fait que vous soyez sollicité. Il y a un autre homme qui vient vous solliciter, assez rapidement. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez d'accord. déjà croisé ou pas, mais il est là. Mais il n'y a pas de problème fondamental sur votre relation avec Olivier. Il n'y en a pas. C'est juste un passage à vide, tout simplement. D'accord.
D'accord. D'accord. Ok. Allez Claire, bon courage. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.